Allez-vous tomber le masque aujourd'hui dans les transports ? 2 ans après l'instauration du port du masque obligatoire pour lutter contre le Covid, la mesure est donc levée. Métro, train, tram, bus, plus besoin de porter le masque, même si ça reste recommandé. On retrouve Martin Cadoré en direct de la gare Saint-Lazare. Martin, le masque a-t-il totalement disparu des visages ce matin ? Eh bien non, Céline, il n'a pas disparu. Une grande partie des voyageurs gardent son masque. Alors là, il y a par exemple un train qui vient d'arriver de Rouen à l'instant. Et si je devais me risquer à une proportion, c'est à peu près 70% masque, 30% sans. Alors bon, il y a une grande partie des gens qui ne sont pas au courant que ce n'est plus obligatoire, que ce n'est pas obligatoire, comme Mamoudou que j'ai croisé un petit peu plus tôt. Et pourtant, il est électricien dans le métro, hein, donc c'est étonnant. Il était en train de rentrer chez lui et quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit bonne nouvelle, il a rangé immédiatement son masque. Il y a aussi beaucoup de voyageurs au courant qui le garde par choix, comme Tony qui part en voyage à la fin de la semaine et qui veut prendre aucun risque par exemple. Et j'ai croisé aussi une dame d'une 60aine d'années qui mettra le masque encore une semaine ou deux, le temps que le Covid descende encore un petit peu. Ses enfants l'ont attrapé dans les transports, elle pense, alors elle préfère jouer la prudence. Et puis au milieu de tout ça, il y a Alexandre, un grand sourire. Lui, il était au courant de la fin de l'obligation et il est soulagé, il me disait, de pouvoir enfin faire ces 2 heures de train entre Caen et Paris sans le masque. Martin Cadoré en direct de la gare Saint-Lazare. On vous retrouvera tout au long de la matinée en direct sur RMC. Je précise que porter le masque reste obligatoire à l'hôpital, à la pharmacie, dans les EHPAD ou lorsque vous allez faire un examen dans un laboratoire.